touche était à une histoire. Le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire a une histoire. Et cette histoire est partie depuis fin 2017. Comme chacun de vous, chaque 20 heures, on est devant sa télé pour avoir les informations de son pays. C'est ainsi que moi j'étais devant ma télé et un coup de fil est venu du préfet de police d'Abidjan, m'invitant à une rencontre le lendemain à la préfecture de police. Bon, honnêtement, moi j'ai eu peur. Donc je me suis regardé, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ces jours? Bon, bref. Le lendemain matin, nous sommes partis et il y avait 18 commissaires de police jusqu'à Bassam, Dabou, Grand Labou. Donc le préfet de police a pris la parole. Il a dit en son temps que lui voulait associer les imprimeurs aux mesures sécuritaires qui seraient prises dans la nation. Parce qu'il y avait un grand événement qui se préparait en Côte d'Ivoire. L'événement, c'était la rencontre le sommet Union européenne, Union africaine. Il y avait au moins plus de 80 chefs d'État et de gouvernement en Côte d'Ivoire. Donc, il a invité les imprimeurs pour les mesures sécuritaires qui seraient prises. Nous, on était tous ces pays imprimeurs, mesures sécuritaires au niveau de l'État. Nous, on a fait quoi du mal? C'est ainsi que, dans ma curiosité, j'ai posé beaucoup de questions. Et à la suite de cette réunion, le préfet de police m'a appelé. Il m'a dit, écoute, tes interventions vraiment nous ont fait avancer. Voilà le numéro de tous les commissaires du district, voilà mon numéro. Mais nous, nous sommes des fonctionnaires d'État. Nous ne pouvons pas créer une fêtière à la place des imprimeurs. Faites quelque chose. C'est ainsi que mes amis et moi, mes collègues et moi, nous sommes réunis, on a discuté, et je me portais à la tête du gouvernement depuis fin 2017. Et donc, il fallait déjà être en règle vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il faut avoir un agrément. Tout ce que nous sommes en train de faire ce matin, l'État de Côte d'Ivoire est informé. Parce que nous avons notre agrément. Cette dame qui est assise à mes côtés, on est allé au sous-sol de la sûreté, dans des ateliers du grand banditisme, parce qu'il fallait fouiller si nous n'étions pas aussi des bandits de grand chemin. C'est ainsi qu'ils ont fouillé, ils ont pris des photos, ils ont pris nos empreintes. Ils ont dit, allez-y, vous pouvez aller représenter l'État de Côte d'Ivoire. C'est ainsi que nous avons eu notre agrément. Et au niveau du protocole d'État, l'État est dans nos activités, dans ses activités, est tenu de nous inviter. Donc toutes les manifestations de l'État, que ce soit à la primature, que ce soit à la présidence, l'État est tenu de nous inviter. Parce que nous sommes l'interface de l'État de Côte d'Ivoire et d'une certaine corporation. Donc nous sommes de la société civile. Ce qu'on dit à l'État de Côte d'Ivoire, l'État est obligé de tenir compte. C'est pourquoi le relève, l'État sera informé. L'État est obligé de tenir compte. Ce que l'État de Côte d'Ivoire me dit, je suis obligé de faire le compte-rendu à mes membres, à la société civile. Donc, vous n'êtes pas présent ici parce que c'est Étienne Couillard. Non, vous êtes présent parce que l'État de Côte d'Ivoire vous a invité. Et on veut faire passer un message. Et ce message-là, vous allez nous aider à le faire passer. C'est pourquoi, depuis pratiquement 2 semaines, mon équipe, le Bureau national des imprimeurs, et moi, sillonnons le quartier, sillonnons le commissariat, sillonnons les ministères. Donc, c'est pour planter ce décor. On dit qu'ils ne se sont pas aussi déplacés inutilement. Voilà l'histoire de la fêtière des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour aider l'État de Côte d'Ivoire à prendre des mesures sécuritaires. Nous sommes là pour donner du travail à nos enfants, à nos petits frères. Nous sommes là pour écouter l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes là aussi pour que l'État de Côte d'Ivoire nous écoute. Je salue la présence du représentant du comité de la lutte contre la contrefaçon. Monsieur Bonarrivé, merci d'être venu. Je salue le président. On s'appelle tous le temps.
pour conclure. Merci d'être là. Pourquoi la tenue de cette conférence? C'est de ça qu'il y a question ce matin, chers journalistes. Deux faits majeurs ont marqué mon esprit. C'est ainsi que j'ai approché le Bureau national pour leur proposer est-ce qu'il n'est pas opportun de tenir une conférence parce que nous sommes des imprimeurs, l'État court sur nous. Et on a tenu la réunion, chacun a donné son point de vue, et il fallait maintenant se mettre à l'eau pour gagner cette rencontre. Donc, en tant que président du groupement des imprimeurs, il me revient de faire la sensibilisation des imprimeurs de notre corporation. Parce que on a remarqué que le temps avance, les élections arrivent. Les élections de municipales et régionales. Vous avez vu aussi, vous êtes comme moi, vous suivez les actualités. Ça a commencé un peu à se chauffer. Donc nous, les imprimeurs, c'est notre devoir, le Bureau national et moi, c'est notre devoir d'attirer votre attention. C'est-à-dire que les élections approchent. Il ne suffit pas d'écrire quoi que ce soit, contre qui que ce soit. Parce que nous avons un pouvoir de détruire, comme les journalistes qui sont là. Le deuxième point, c'est que devant ma télé toujours, voilà la guerre entre deux pays frères, la Russie et l'Ukraine. Une bataille farouche se dessine actuellement. Des milliers de morts, on n'en parle pas trop. Mais ce qui m'a frappé, chers parents, c'est que quand les Russes arrivent à conquérir un territoire ukrainien, la première des choses, c'est pas pour dominer le secteur, non, la première des choses, c'est de mettre une affiche sur un panneau pour marquer leur présence. La première des choses. Pendant qu'il y a des bombes en bas, mais ce qui les intéresse, c'est les affiches sur les panneaux pour dire que oui, nous sommes là, nous contrôlons tout. Quand ils sont repoussés et que les militaires ukrainiens arrivent, la première des choses, c'est d'enlever l'affiche que les Russes ont. Je me suis dit, mais l'imprimerie quand même a son importance. Hein. Une guerre qui est pratiquement une guerre mondiale, c'est les imprimeurs. Quand les Russes arrivent aussi, ils entrent dans les bibliothèques, tous les bouquins des Ukrainiens, ils les détruisent. Ça a attiré mon attention. Ils viennent avec leur bouquet pour imposer la culture russe, pour imposer les documents russes. Qui fabrique ces bouquets? C'est les imprimeurs. Ça m'a interpellé et je me suis dit, tiens, il va falloir que j'approche encore mes confrères, qu'on ait un poids. Il faudrait aussi que je dise à l'État de Côte d'Ivoire que l'imprimerie a une force. Chez vous, cacheriez, c'est aussi ma mission. C'est d'expliquer à l'État de Côte d'Ivoire l'importance de l'imprimerie dans une nation. C'est ça. C'était dur au départ. C'était très dur au départ parce que beaucoup ne comprenaient pas. Mais au fur et à mesure, beaucoup ont compris qu'il ne faut pas s'amuser avec l'imprimerie. De la même manière, il y a des règles de déontologie et autres dans la presse. L'imprimerie aussi doit avoir une certaine règle de déontologie que l'État de Côte d'Ivoire refuse pour l'instant de mettre en place. Mais moi, avec cette médaille que j'ai, je travaille pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est mon devoir aussi d'aller sensibiliser mes confrères, mes consoeurs aussi. Parce que les deux, c'est des chefs d'entreprise, ils sont imprimeurs. Ils ont leur machine, ils ont leur personnel. Ce n'est pas une affaire seulement des garçons en Côte d'Ivoire. Madame qui est assise là aussi, elle est imprimeur. Voilà. On dit qu'il y a des femmes imprimeurs dans ce pays.
Nous entrons dans une période très difficile. Je demande à tous les imprimeurs de Côte d'Ivoire de rester neutres. De rester neutres et de regarder les commandes qui vont venir. S'il y a une commande qui arrive, qui peut compromettre la paix, la cohésion sociale, de grâce, repoussez cette commande. Repoussez cette commande. Parce que vous ne savez pas que vous avez une arme à main qui peut dégénérer. S'il vous plaît, en tant que président du mouvement de Côte d'Ivoire, c'est mon devoir aussi de vous le dire. Maintenant, celui qui veut faire ce qu'il a envie de faire, nous, on aura joué notre rôle. J'espère que, comme vous avez toujours écouté, on ne va pas arriver à ce genre de situation. Que tout l'argent, comme on le dit en Côte d'Ivoire, n'est pas argent. Voilà. L'argent que tu vas bouffer et puis tu n'as pas de problème là, c'est bien. Voilà. Donc voilà, à ce niveau, ce que je voulais dire au niveau de la sensibilisation des imprimeurs et puis de toute la corporation. Maintenant, le problème que moi j'ai, je parle toujours au journalisme, si vous pouvez faire ressortir, c'est ce qui est important dans cette rencontre. Le problème que j'ai, parce que moi j'ai sillonné beaucoup d'imprimeries, j'ai posé avec beaucoup d'imprimeurs. Aujourd'hui, on est fier aussi que toute la jeunesse ivoirienne suit l'imprimerie de par leur communication. Mais, il y a un problème. Quand vous arrivez, la première des choses que les imprimeurs vous disent, mais tous les marchés d'État, on donne aux imprimeries de l'État, des hommes qui sont au pouvoir, des personnalités, nous on n'a rien. On va nourrir nos familles avec quoi? Excusez-moi si je parle, c'est comme ça, ils me parlent aussi. Donc, pour eux, toute commande qui arrive, franchement, c'est bon à prendre. Donc, il faut redoubler d'efforts. Maintenant, du côté de l'État, nous disons franchement qu'il faut écouter. Vous nous avez placés, vous nous avez décorés, c'est pour être écouté. Si vous ne nous écoutez pas, ça ne sert à rien. Les imprimeurs de Côte d'Ivoire ont faim. Tous les marchés d'État sont attribués à des imprimeries qui sont des imprimeries des hommes du pouvoir. Je suis président du mouvement des imprimeurs, je sais de quoi je parle. Nous demandons tout juste de nous donner une part de ces marchés que nous allons distribuer aux membres, que nous allons distribuer aux jeunes imprimeurs. Aujourd'hui, tous les candidats ou les éventuels candidats aux élections, c'est riche en imprimerie. Dans leur village, près des enfants, ils passent les commandes en Chine, ils viennent, ils se prêtent, ça passe inaperçu. Des milliards de nos francs passent en économie souterraine. Et après, voilà les impôts sur nous. Ah, c'est la période des imprimeurs. Allez-y, ils ont l'argent. Dans ces jours-là, si vous ne les prenez pas, c'est que on ne sait pas quand vous allez les prendre. Oh, l'imprimeur qui est assis, il n'a rien. Il n'a rien, il n'a pas de travail. Mais les gens ont l'impression que les imprimeurs ont l'argent. Donc on veut tirer l'attention de l'État de Côte d'Ivoire, tous ces marchés publics. Et le président, cher journaliste, profitez pour lui dire merci. Le président fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour Côte d'Ivoire. Ça, je vous le dis. Il fait beaucoup. Mais le président ne peut pas se lever pour aller distribuer les marchés dans les imprimeries. Ce n'est pas son rôle. Le président fait passer un message. Mais ceux à qui le président fait passer le message, ils s'assiedent sur ça. Voilà le problème. Sinon, le président de la République a ordonné que 30 à 41% des marchés publics soient donnés aux petites et moyennes entreprises. Mais nous ne recevons pas. Lors de notre forum, j'ai eu à décrire encore ce point. Quand les marchés arrivent, on vous dit bon, c'est appel d'offres. Chaque appel d'offres coûte au moins 500 000 francs. Et dans cet appel d'offres de 500 000 francs, c'est à un seul
pour à une seule entreprise qu'on va donner. Premier appel d'offres, 500 000 francs. Ok. J'ai pris le deuxième appel d'offres, je serai dedans. J'ai remis encore 500 000 francs. Imaginez 10 appels d'offres dans l'année. Ça fait 7 millions pour rien. La prochaine, l'année suivante, qu'est-ce qui va nous pousser à aller encore postuler à cet appel d'offres? Et ceux qui ont eu le marché, et c'est les mêmes là qui s'en ont payé, et c'est les mêmes là qui ont les appels d'offres. C'est ce que le président de la République a vu et il a dit donner 10, 30 à 41% de ces marchés aux petites et moyennes entreprises. Nous avons dit au président de la République que c'est bien, mais nous ne ferons pas d'appel d'offres. Et nous avons postulé encore que, une fois nous donnons le marché, ces marchés, l'État reste tranquille. Tous les membres de cette fêtière, on coupe à l'origine, on reverse ce qui. Donc, ce que ces membres-là doivent reverser aux impôts, à la CNPS, voilà la CNU qui fait son petit bonhomme de chemin, tout ça, on enlève à l'origine, et puis l'État est tranquille, l'imprimeur est tranquille. De là, si avec tout ça, tu prends des marchés qui ne sont pas à prendre, qui hypothèquent la paix dans une nation, qui hypothèquent la cohésion sociale dans une nation, mais déjà, on t'enlève le marché, et puis tu as affaire à l'État. C'est toutes ces propositions-là que nous faisons à l'État de Côte d'Ivoire. Il faut reconnaître ça, je le répète, les imprimeurs souffrent. Ils souffrent. Moi qui suis en face de vous, on vient de me quartier pratiquement 65 millions de pénalités, alors que moi, je n'arrive pas à faire 30 millions dans l'année. Voilà. Je parle rien. Et les autres? Ceux qui ne disent pas leurs problèmes, ceux qui changent de société, ceux qui arrivent à se mettre, comment on appelle ça, c'est-à-dire qu'ils désistent, ils se mettent en faillite pour ensuite créer une autre entreprise et puis aller. Mais on ne va pas aller de création d'entreprise à création d'entreprise. Je gagne quoi? L'État gagne quoi? Donc l'État va nous. C'est l'État qui a vu l'importance des imprimeries en Côte d'Ivoire. C'est l'État à travers le préfet de police qui nous a invités. Donc l'État connaît l'importance ou le poids de l'imprimerie en Côte d'Ivoire. Nous demandons toujours à l'État de nous suivre et de nous aider. Je reviens sur mes frères ou mes confrères imprimeurs encore pour conclure. Chers imprimeurs, vous savez qu'un prospectus A5 peut vous conduire en prison. Un prospectus A5, vous avez la possibilité de multiplier, mais ça peut vous conduire en prison. Si vous ne savez pas de quoi ce prospectus-là est capable de faire. Une affiche A4, je parle dans notre jargon, hein, les parents. Comme je m'adresse à mes confrères, je suis obligé de parler dans mon jargon. Une affiche A4 peut vider des millions de femmes et d'enfants des marchés écoles. Quand vous êtes en train d'imprimer, que les gens affichent, quand on finit de lire et que ça fait peur, nos mamans risquent de ne même pas aller au marché demain. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, et on a lu, ils ont dit ça, que ça va chauffer demain, que ça va chauffer demain, que ça sera comme ça. L'information est vraie ou l'information est fausse. Mais c'est vous qui avez aidé l'information à prospérer. Donc ça peut vous conduire en prison. Nous sommes au travail, on peut nous dire que vos enfants, ils sont dans la rue, hein, parce qu'il y a une information qui est passée, les gens ont peur, ils ont laissé les enfants, on leur a demandé de les rentrer. C'est pourquoi j'ai dit, une affiche A4 peut vider des millions de femmes et d'enfants des marchés d'école. Une affiche A3 peut conduire des milliers de vos compatriotes en exil pour plusieurs années. Moi, je suis pour rien. Il y a d'autres qui ont fait 8 ans, il y a d'autres qui ont fait 6 ans, il y a d'autres qui sont là-bas. C'est nos compatriotes. Ils sont obligés de fuir le pays. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de paix. Hein? Et si vous êtes à la base
de cette création de guerre, de cette provocation, de cette guerre, vous voyez déjà, ça ne fait pas plaisir. Même si on vous donne l'argent à la seconde, tout en pensant cet argent, vraiment, votre bouche sera amère. Donc faites attention. Faites attention, nous entrons dans une période très, 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 très délicate. Nous rentrons dans une période très sensible. On connaît déjà ce que ça nous a apporté dans le passé. Il va falloir qu'on fasse très attention cette fois-ci. Une affiche A2 peut déclencher des gaz lacrymogènes et couper la circulation routière. Je ne vous apprends rien. S'il y a des émeutes, les policiers sont obligés d'utiliser le gaz lacrymogène. Hein. Ils ont été formés pour ça. Hein. Voilà. Et quand ils sont en train d'utiliser les gaz lacrymogènes, et bien, la circulation est coupée. On ne va plus au marché. Même le malade ne va pas à l'hôpital. Des grâces, je vous demande pardon, chers collègues imprimeurs, évitez tout ça. Un t-shirt imprimé peut susciter une bagarre arrangée. Tu produis des millions de t-shirts, des milliers de t-shirts avec des messages. Si le message n'en plaît pas à l'autre, eh bien, ça sera une bataille arrangée. Vous voyez déjà l'importance pour votre poids dans la provocation d'une guerre dans un pays. Une banderole de 2 mètres carrés. Bon, ça là, c'est 3 mètres carrés. Hein. Voilà, ça est 3 mètres carrés. Mais je demande 2 mètres carrés. Ça, c'est grand. 2 mètres carrés plus petit. Plus petit que ça. Ça peut détruire 322 000 km², c'est pratiquement la surface de notre pays. La petite banderole, ça peut détruire 322 000 km². Et qui va produire cette petite banderole-là? C'est vous les imprimeurs. C'est vous les imprimeurs. Donc les messages que les clients vont venir vous donner, lisez et puis ayez un esprit critique. Si ça n'arrange pas la nation, laissez tomber cette commande. Venez, on va boire de l'eau, on va se coucher, c'est mieux. Un panneau avec un faux marquage peut détruire toutes les infrastructures routières et sanitaires qui sont la fierté de notre pays actuellement. Aujourd'hui, quand on va, je suis entre les deux, quand je vais entre les deux, mais écoute, je suis très content parce qu'il y a un boulot jusqu'à entre les deux. Voilà qu'on vient d'inaugurer, je crois, Tedissou Bouaké. Tu vois, tu te dis, mais tiens, je suis dans quel pays, je suis en Europe. Les gens peuvent critiquer, hein, c'est vrai, mais nous, on est content aussi parce qu'on peut voyager tranquillement. Voilà. Et de par ce que vous avez écrit, si ces routes-là doivent être, comment dirais-je, détruites demain, vous voyez que vous n'arrangez pas le pays. Vous n'arrangez pas vos enfants, vous n'arrangez pas vos femmes, vos parents. Donc c'est le message-là que je voulais passer, franchement, à mes collègues imprimeurs, dans cette période très, 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 très sensible, dans cette période qui s'annonce. C'est ce message-là. Et je voudrais aussi dire à mes parents, à mes tontons, à mes parents, aux chefs coutumiers, dans vos différentes réunions, essayez de sensibiliser votre population. Nous, du côté des imprimeurs, on va le faire. Mais souvent aussi, on passe par vous pour passer des commandes. Ce qu'on va vous donner. On passe par vous pour vous donner des t-shirts et habiller votre communauté. Si vous lisez sur vos sur ces gens de t-shirts et que ça peut dégénérer, pardonnez, remettez leur t-shirt, ils vont aller où, s'habiller, ils vont aller porter où ils veulent. C'est pourquoi je tenais aussi à vous inviter. Vous avez une peur, une grande responsabilité dans cette affaire. Voilà. Les imprimeurs, s'ils sont têtus et qu'ils produisent ce qui n'est pas produit, ça viendra vers vous. C'est à vous aussi d'avoir un esprit critique et puis repousser. Si on fait ça une fois, deux fois, je crois que chacun va respecter ce qui est respecté. Alors, je vous dis que c'est ce que j'avais au cœur. Je voulais dire aussi tout juste un mot au niveau de la contrefaçon.
J'ai été appelé par le président pour me dire que le ministre lui a donné l'instruction de m'inviter parce que les imprimeurs sont au centre de beaucoup de plagiat, de beaucoup de contrefaçon. Oui, aujourd'hui, lorsque vous prenez les produits phytosanitaires qu'on met dans nos sols pour nous donner à manger, il se trouve qu'il y a beaucoup de faux produits phytosanitaires. Mais ce n'est pas la faute à nos parents, ce n'est pas la faute aux consommateurs, c'est la faute aux imprimeurs. Parce que si tu me fais croire que dans cette bouteille-là, que ce n'est pas de l'eau, c'est un engrais, mais c'est un engrais qui tue. Mais à la place, au lieu de mettre, comment on appelle, Céleste. Au lieu de mettre Céleste, tu as mis Céleste. Effectivement, tu as mis Céleste. Mais à l'intérieur, ce n'est pas Céleste. Les gens vont consommer. Ça devient des problèmes de santé. Il y a des gens aussi qui sont là, qui réfléchissent. Hein, qui réfléchissent et qui font leurs bouquins. Vous prenez ces bouquins et vous les façonnez. Et celui qui a eu le courage de réfléchir, qui a perdu son temps à réfléchir, il ne gagne rien. C'est les imprimeurs qui sont aujourd'hui à la tâche de tout. Même nos cartes dentées, l'administration n'en peut plus. Tout est falsifié. Et c'est falsifié par qui? Par les imprimeurs. C'est à ce titre que nous sommes en train de mettre un comité sur pied pour lutter, pour d'abord sensibiliser, lutter et puis maintenant blâmer. C'est ça, non? Sanctionner. Nous sommes en train de mettre une équipe. Mais c'est les imprimeurs qui sont au cœur. Au cœur. L'État n'en peut plus. Nous aussi, on va dire à l'État de nous donner les moyens. Vous voyez, ce n'est pas avec mon argent de poche que moi je vais aller sensibiliser. Voilà. Donc, chers collègues, vous serez notre porte-parole là-bas. J'en ai fini.